bien, salut à tous les amis, c'est Bitel, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour... l'épisode 3 de Poké MMO. Ah, on est encore une fois avec M5, nous sommes à Argenta. Sérieusement? J'y croyais même pas. Et ouais. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Pokémon MMO. Ouais, et puis on a rien fait depuis le dernier épisode parce qu'on avait la flemme. Non, c'est surtout qu'on était tous occupés. Voilà. Donc on a quelques petites personnes, des fanboys de Bitel qui sont là. Bon, moi je vais continuer mes petits dresseurs que j'avais commencé l'autre fois et... jusqu'à ce que je crache, hein, parce que j'ai toujours pas trouvé où est ton problème, donc au pire je crache, j'ai rien à foutre. Le mec il va crash toutes les 10 secondes, ça va être énorme. Non, je pense pas quand même. Moi je vais quand même aller... Youhou ! Soigner mes Pokémon. Je vais juste un peu baisser... Bonsoir, je suis pas Bob Lennon. Ils sont sérieux. Oh mon dieu. Bon. Pourquoi j'ai ce Pokémon là en premier? Je sais pas. Pokémon, Moi personnellement j'en accepterai pas, je trouve ça pas drôle. Ouais, perso je suis sur la route, hein. La je sais plus combien. Boum. Bah en tout cas j'espère que vous allez bien, que... Oui, en effet, on espère que vous avez passé des bonnes vacances, Que vous êtes en train d'en passer des bonnes si vous êtes, oui. Êtes toujours en vacances. Et nous ça va. Nous ça va, pour l'instant on passe plutôt des bonnes vacances. Ouais, je suis complètement crevé, j'ai la crève mais c'est pas grave. Oh, le mec est tout, j'ai la crève. Non mais j'ai le nez complètement pris mec, tu peux pas t'imaginer. Genre même je me mouche toutes les 10 secondes. Enfin non, parce que bon, sinon je me serais déjà mouché. Là j'essaie de me retenir un peu, tu vois, genre mais parce qu'on est en vidéo tout ça. Mais putain quoi. Je suis malade. J'ai mal à la gorge. Voilà. Et j'ai le nez, j'ai le rhume. Enfin, j'aime pas si c'est du rhume, en plus c'est il y a du rhume, de l'allergie de. Il y a du rhume, de la grippe, de l'allergie, t'as vu ma gueule. Non, et en plus ça me donne mal au crâne, c'est encore pire que ça, quoi. Okay. C'est terrible. C'est une abomination sans nom. C'est terrible, ah mon dieu. Et je suis en train de taper un rond doudou. Ouais. Pourquoi j'essaye de faire fuite? Contre un dresseur, c'est peut-être pas une bonne idée, non. Surtout que contre ce rond doudou de merde, j'aurais pu balancer mon fer au singe et le taper plus fort. Mais non, je ne sais pas jouer à Pokémon. Oh, c'est pas nouveau ça, hein, pardon. Allez, vas-y, ferme ta gueule! Oui, non, mais c'est bon, voilà. Toutes les personnes qui nous ont rejoints, c'est sympa de vous voir, voilà. De pouvoir jouer avec vous. C'est surtout. C'est aussi l'un des avantages qu'on a pour ce jeu, en fait, c'est parce qu'on tout simplement on peut parler avec tout le monde. Donc, c'est vraiment l'un des aspects positifs pour moi dans ce jeu. Ouais, c'est trop bien. Et j'arrive au centre Pokémon juste avant le Monstelunt. Bah moi pour l'instant je me suis fait torcher, enfin à mon pied je vous ai fait torcher la gueule. Est-ce que j'achète le Magikarp pour le LOL? Ah oui, oui. Bon allez, je le fais. Et après tu le montes et comme ça t'auras un Léviator, ma gueule. Non, c'est bon. Non, je vais pas le faire. Je vais gaspiller mon argent bêtement. Oui, en effet, c'est assez gaspillé bêtement, mais Non, parce qu'un Léviator, c'est complètement abusé, quoi, mais... Ah, un Léviator, c'est complètement craqué. Totalement. Bon, bah moi, je vais commencer mon Selenite. Oh, viens, on demande à Fuka au prochain épisode, je vais devenir ma gueule. Bah, écoute, s'il veut, ouais. Moi, je m'en fous. Oh putain, un Nosferapti. Alors, bon bah du coup on va booster un peu notre
étincelle. Maintenant, je vais dire les noms anglais. Ça va être très frustrant pour moi. Je te jure, maintenant, j'ai l'habitude de lire Carméléon, je te jure. Mais chiant, très 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 chiant. Il s'appelle Carméléon. Carméléon. Mais c'est pas un caméléon, ton truc. Non, mais... Enfin, je crois pas, c'est un... Il s'appelle Carméléon, Charméléon, ça doit être Charméléon en anglais. D'accord. Je viens de démonter un mélophée. On va le faire le rondoudou quand même. J'aime bien le rondoudou. Ah, tu veux capturer un rondoudou? Non, je combats le rondoudou. Plutôt. Ah oui. Je combats la dresseuse quoi. Non mais allô. Je crois qu'il est à peu de pourcentage dans cette route, le rondoudou. Je sais plus à combien, mais il est pas grand chose. Pas grand chose parce que j'ai souvent essayé de le capturer. Très. Et c'est, je crois que c'est le seul endroit où on peut l'avoir. Ou alors il y en a un autre endroit. Non, mais... je crois qu'il y en a un autre. Ouais. Hop, bon bah bon. Mais non, mais me fais pas cette attaque là, sans l'enfoiré. Il s'appelle mon reptin, c'est dépassé level 17. Il va falloir que je pense à monter mon. Mon roucoule. On va le faire tout de suite. En tout cas, c'est sympa, il y a moi, des train... abonnés qui me suivent. Coucou à eux aussi. Pour ma souris, je la laisse, vu que c'est avec la souris que j'utilise des attaques ou autres, donc je la laisse. Je la garde. D'accord. Moi, elle n'apparaît pas sur l'écran, parce que j'utilise pas la souris d'une part, et en plus... Je sais même pas combien j'ai comme thune. On la voit où, cette thune? Ah oui. Trainer... Bah, carte de dresseur. J'ai que 4600, ça va pas. J'ai 3600, mais je crois que j'ai acheté des trucs la dernière fois. Je sais plus en fait. Je suis en train de taper un magnifique cocon fort qui me fait chier à faire cette putain d'attaque armure de merde. Foiré de ta mère. Mon seul unit. Bah moi là j'y rentre. Bah du coup je vais passer mon. Du coup je passe plutôt mon. Comment il s'appelle? Ah oh, fake. Ah oh, je sais plus. Ah bah oui t'es là. Ah oh, je vais le combattre en même temps. Ouais. Non mais je l'ai fini en fait. Et mon ferro-singe qui monte au level 15. Je vais monter mon reptincelle parce que bon. Sinon ça va pas le faire. Et après il va falloir que je pense à monter. Bah c'est sûr que là t'as pas une équipe très 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 adaptée pour une caverne. Clairement, oui. Donc du coup je vais plus. Alors que moi plutôt bien même. Bah moi si tu veux après j'ai métal. J'ai griffe acier mais c'est tout. Ouais voilà quoi, tu fais du full griffe acier quoi. Bon encore heureux, y'a 35 pp. Ouais, c'est sur side. Bon, au pire. Da fuck. Je viens de tomber sur un paras. Je crois qu'il est pas genre à. Non, paras il est facile à trouver. Il a 5%, je pense, à cet endroit de la grotte. Non. Bah, je viens de crash en tout cas, donc je pourrais pas la. En tous les cas, je viens de crash, donc bon. Je viens de crash, donc il était forcément célèbre, tu vois. Non, mais je sais plus, faudra que je vérifie. Alors, reconnexion. Dans le coup, je vais reprendre directement au centre Pokémon, parce que, bon, voilà. Oh mon dieu, on s'est TP au centre Pokémon. Non, j'ai crash. C'est tout, hein. Le pire, c'est que je vais réussir à crash à la fin de la grotte, et je vais me faire re-TP directement au centre Pokémon. Et ça va être drôle. T'es toujours là? J'attraperai bien un Paras, juste parce que je crois qu'il peut apprendre une coupe. Je sais que là il y en a plein, voilà. Par exemple celui-ci. Très bien. Donc on va donc se fight contre un Malafamagol. Malafamagol. Effectivement, non, si je fais des coups critiques sur les paras, j'ai pas arrivé à les attraper. Bon, je tomberai sur un en retour. Ah, premier combat contre la Team Rocket. Enfin pas encore, d'abord je me tape contre un osphère un petit de merde. Qu'est-ce que tu me dis toi là?
Oui, Team Rocket, I are Pokémon Gangster. We strike fear with our strength. Attends, c'est déjà la... Bah, tu sais, tu continues un petit peu, t'as une échelle, tu descends, tu traverses un couloir, pouf, Team Rocket. Hein. Déjà ? Bah ouais. Attends, t'es à la Team Rocket où tu choisis tes deux... Ah non, 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 il y en a avant. Tu m'as fait peur, what ? D'accord, bon. Bah, à chaque échelle, tu descends au... Oui, exact, exact. Non, moi, j'ai cru que t'étais à la... J'ai cru que t'étais déjà au... Au truc des possibles, ouais. J'étais en mode, what, le mec, il a fait quoi ? Bah, j'ai rushé, quoi, j'ai évité ouais, tous les assets, le bien mec, sûr. Voilà, quoi, trop de swag. Non, il y en a avant. Il y en a pas mal, même. Et, bah, Ferro-Singe se fait plaise. Alors, j'avais dit qu'il serait bien dans la grotte, le problème, c'est que, bon, en sauvage, je tombe que sur des Nosferapti. Et les dresseurs n'ont pas de bons Pokémon, donc c'est vrai qu'au niveau... mon Ferro-Singe, de toute façon, mon Ferro-Singe, je vais l'XP parce que c'est un peu le seul qui va pouvoir me servir pour la prochaine arène. Bah, moi, c'est clairement parce que, bon, Pikachu, c'est pas qu'un carap... Bah, essaie de l'entraîner contre les dresseurs. Et fais fuite contre les sauvages ou ce genre de choses, quoi. Ou tape les Nosferapti, quoi. Parce que... je dirais pour les racailloux, voilà, quoi. Faut pas déconner. Voilà. Alors, je suis... Ah, d'accord, non. Mon Ferro-Singe est... confus. C'est un peu la merde. Allez, déconfuse-toi. Putain, elle arrête pas de se taper la gueule. Yes, mon Ferro-Singe est KO, bordel de merde. Je vais juste aller me soigner parce que bon, avoir un... avoir mon Reptincelle KO, ça me plaît pas contre la Team Rocket par exemple. Franchement, ça va, hein, il est pas... par contre, non, franchement, Reptincelle contre la Team Rocket, il est tranquille. Il passe très bien. Donc là, j'ai puté le deuxième. Ah non, c'est bon, je l'ai eu. Et là, j'obtiens... Cet objet, je crois que c'est une pierre stase. Si mes souvenirs sont bons. Je pense que le mont, on va le faire en deux parties, parce qu'il est assez long. Je pense que j'aurais fini, moi. Moi, non, vu que j'explore tout, là, en fait. Ah, mais moi aussi. Mais, enfin, ça va, hein, j'ai déjà buté trois dresseurs. Ah non, c'est pas une pierre stase qu'on obtient. Non, c'est une pierre lune, oui. Ah, tu vas dans le petit endroit. Ah, je crois que je me suis même pas remis dans le bon channel. Attendez, je fais ça vite. Ah, effectivement. Mais non, mais à chaque fois, il me remet dans le channel de merde. C'est chiant. C'est la vie. C'est la vie. Allez, trouve-moi un sale pute. Il apprend quand, Lanceflamme ? Oula, dans un bon moment. Hein. Flamèche, c'est vraiment de la merde. Lanceflamme, déjà, il a. Flamèche, non, franchement, ça va, Flamèche. Par contre, la niveau 5, bon, je vais tenter la Pokéball direct. Je vais te dire ça, tiens. Attends. Lanceflamme. Bon, il est pas rentré. Je retente. Où est-ce que j'ai mis mon bouquin, là ? Mon big bouquin. De ouf, sa mère. Bon, il a pas l'air de vouloir rentrer. Le gros bouquin qu'on a en commun, Diamant et Perle. Ouais, le voilà, je l'ai trouvé. Par contre, c'est de la 4G, donc je sais pas trop ce que ça va me dire. Mais 4G, ça reste la même chose. Hein. Non, il y a des attaques différentes. Pas forcément. Lanceflamme, moi, là, il met niveau 34. Oh, il est niveau combien ? Il a normalement. Ouais, non. Il apprend pas les. Non, il a. C'est vraiment différent les attaques parce que là, il apprend gros feu. Ah non, pas niveau 34. Niveau 42 quand il est en Dracofeu. Non, il apprend des attaques différentes. J'en sais rien en fait, mais c'est aux alentours du niveau 30. On voit qu'il mais avant, est en train de apprendre. Ah oui, non, je suis en train de mourir littéralement. Mais avant, qu'est-ce qu'il apprend ? Je crois pas hein, qu'il apprend grand chose d'extraordinaire. Je crois qu'il apprend quelques attaques ténèbres, mais je suis pas sûr. Bon, j'ai un paras. Nice. Moi j'ai une stase ouais. Pierre. Non, une. Ah, merde. Une. Ouais, bah t'es ouais. Je suis un petit peu devant toi là. Je back histoire de soigner mon Ferro-Singe. Et accessoirement de foutre mon. Attends, tu vas pas me casser les roubignoles, je me casse. Je vais foutre aussi mon paras au PC. Il va pas me servir pour le moment. No
non, Paras, je vais pas le prendre, Paras. Non, mais je le prends juste pour coup. De toute façon, j'avais déjà un Rattata. Bon, bref. Mais Paras, je crois qu'il peut apprendre pas mal de trucs. Je sais plus quel Pokémon pouvait apprendre 10 millions de CT. Ouais. Qui était bien sympa. Enfin, je me renseigne. Si vous le savez, Pokémon dans la G qui peuvent apprendre beaucoup de CT. Métamorph, Mew peut apprendre toutes les CT. Alors, t'es un marrant, toi. Métamorph, que je t'explique un truc quand même. Pardon. Non, mais que je t'explique juste un truc. L'intérêt du Pokémon qui a beaucoup de CT, c'est justement pour pouvoir l'utiliser tout le long de l'aventure. Métamorph, tu l'as à l'avant-dernier badge. Et y a absolument aucun intérêt. De base, c'est Mew, mais... Oui, non, mais Mew... C'est Mew, je sais très bien que Mew peut apprendre toutes les attaques. C'est pas ça, je veux dire, un Pokémon qui peut en apprendre pas mal, quoi. Tiens, il y a Beetle. T'es en train de faire quoi, exactement? Non, mec, il y en a pas mal. Hein. Il y a des dresseurs aussi. Hein. D'accord, t'es comme ça, toi. Bah, moi, je vais aller récupérer, quand même. Parce que, bon, toi qui dis que tu vas faire le Mont Céline en deux étapes, tu l'auras fini en une si tu continues. J'ai trouvé une potion. Ça, pas. Et je crois qu'il y a une autre pierre-lune, en plus. Fight, salut, hop, dégage. J'affronte un inté. Voilà, flemme. Bah écoute, le Magnéti, je vais te faire une attaque combat dans la gueule, hein, tu vas prendre cher, voilà. Sus. Le mec. Bah écoute, hein. Sus ma bite. Ceci ne sera pas coupé au montage. Gagne. C'est quoi cette attaque là, attends. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Oh, j'ai oublié ça quand même. Ok, bon, j'ai battu un intello. Et je vais aller récupérer l'objet là. J'ai trouvé un super bonbon. C'est vrai, il y a un super bonbon là. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'irai le récupérer après. Non, mais il y a des dresseurs, ils sont sympas. Là, il y a un putain de scout qui va me faire chier en fait. Mais bon, après ça, c'est pas grave, mais c'est juste qu'il va me faire chier. Oh, le Rattata, genre, mais mec, mon gars, il... Quoi? Il lui reste un PV. De quoi? Salut, j'ai crash. Sérieux? À bientôt. Ah oui. Bah ouais. À bientôt, au revoir. Salut. Alors, oh, paf. Tac. Ok, recrache. Donc on va retourner taper le monsieur. Y a pas de repousse à cet endroit? Enfin, dans les boutiques actuelles? Non, je crois pas en plus. C'est un peu chiant. Hop. On descend, 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 on va retourner taper le scout. Yaha. Et le scout qui me dit qu'il faut passer par cette caverne pour aller à Azuria. Eh bien non, il y a d'autres moyens, notamment la cave de Picker. Oh, cette cave est insupportable. J'ai juste envie de me pendre. Cave de Picker. À chaque fois, je suis comme ça, mais arrêtez. Ah, ah. Oh,
encore ça va, hein. C'est pas non plus. Je sais plus si c'est dans Rouge Feu Vert Feuille ou dans Rouge Bleu Jaune qu'elle est hyper longue, je crois. Je crois que c'est dans les premières générations où elle est genre super longue. Qu'après ils l'ont carrément raccourci. Ou alors c'est l'inverse. On va soigner nos Pokémon. Oups, petite coupure, désolé. Je suis tout en haut là, je vais chercher un. Ok, moi je tape un magnifique Grisacier qui me casse les burnes. Salope. Salope, je te dis salope. Petit connard. Espèce d'acculé ta mère. Je réfléchis à un truc quand même, ça va être compliqué mais crash pour la ligue Pokémon. Ouais clairement ouais. On verra bien. Ça va être drôle surtout. Bon ça y est, j'ai battu le. On va torcher notre Par derrière. J'ai trouvé une carte de sortie. Il y a un gars là, je sais pas ce qu'il fait. Je sais plus quel chemin il faut prendre pour atteindre. Pour atteindre les fossiles. Ah, c'est l'échelle tout au fond. Ah si, c'est là. C'est l'échelle tout au fond. Ah, si, c'est là, si. Mais tu peux obtenir des objets en prenant les échelles d'avant. Notamment des pierres lunes qui peuvent être très pratiques. Je vais essayer d'en prendre deux, vu qu'il y en a une autre pas loin, là je sais où elle est. Je crois qu'on peut en obtenir trois dans cette caverne. 3 voire 4, mais je suis pas sûr. Je crois qu'il y en a minimum 3. Alors jouer. Hop, allez hop, c'est parti. Vous m'avez clairement vu faire une attaque combat contre un Osferapti, je sais, je n'ai aucune excuse. Mais bon, c'est pas grave. Alors la gamine, viens te... Putain... Oh, ouais. J'aime tellement les musiques de Verfeuille et Rougefeu, c'est... Les musiques du combat, tu veux dire? Ouais, les musiques de combat. Alors sache que ce n'est ni Rouge Feu ni Verfeuille, c'est Ruby Saphir Emerald. Ah bah oui, exact. Attends. T'es sûr? C'est un épic. Oui, carrément. C'est un épic fail de Beatle en direct. Bien joué, mec. Franchement, bien joué. C'est du haut level. Sérieux? Non, mais enfin, je comprends. Moi aussi, j'aime bien cette série sur Zelda. Hein. Elle est très bien, mais. Toi, je vais. Son Zelda MMO, mais. Oh, ce serait énorme un Zelda MMO, mon gars! Je vois pas trop quelle interactivité tu pourrais faire dans un Zelda MMO. Enfin bon. Mais c'est les musiques de Ruby Saphir Emerald, je te le dis. Je te le confirme. Je croyais, j'ai cru. Et je crois que je suis toujours... Non, je ne suis plus dans ton channel. Effectivement, je suis passé en channel 4. Hop, je change. Hop, voilà. Hop. Et je vais aller taper un autre gars de la Team Rocket. Mais avant, je me tape contre un Nosferapti. Bon, voilà, ça c'est fait. On speed. Voilà. Ouais, même toi tu rushes comme une merde, mais tu vas être obligé de t'entraîner après parce que t'as pas tapé tous les dresseurs. Ouais, mais je m'en fous, c'est justement ça. C'est pour ça que. Non, mais moi je prends mon temps de faire le truc quoi, tu vois. Genre. Non, mais tu sais, en même temps je parle avec les abonnés et tout. Moi j'en ai pas, y'a personne qui vient. En même temps je m'en fous. Oui, voilà, moi aussi, justement. Mais bon, ils sont là donc je leur réponds, ils sont gentils.
En attendant, je tape un abo. Abo, abo. Avec un fer au singe. Abo. C'est pas la... Abo, 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 la... abo. La meilleure stratégie. Ta gueule! Abo, abo, abo. Ferme ta putain de gueule de merde, abo, mec, sérieux. Abo, type abo. Désolé, je t'ai dit. Oh putain. Oui, ah oui, oui, oui. J'ai trouvé la CT-46. Y'a plus la... La pierre lune sur le côté. Tiens, mec, il va me lancer dans le chat quand même. YOLO SOIT GUINNESS. C'est en plus, c'est en anglais. Sur le côté de... Ah, t'es au niveau des fossiles, là, pas loin. Ah, il y a plus. Bon, dans ce cas-là, y a effectivement peu de pierre lune. Y'a plus que deux. Ouais. Et de toute façon, je pense que je vais pas en utiliser. Non, moi non. Mon équipe est déjà prévue, donc je n'en utiliserai pas. Bah, j'hésite, en fait. C'est... Soit je l'utilise et ça me... Ça peut devenir un Pokémon assez puissant pour moi, soit je l'utilise pas et je m'en fous parce que j'ai une autre équipe en tête. Bon, mon équipe est déjà prévue et je n'aurai pas besoin de pierre lune, j'aurai besoin d'une pierre feu. Voilà, c'est dit. I got balls of steel. Voilà, vous avez, moi, en tout cas, vous, de mon côté, vous avez un petit spoil crash, de mon équipe. Non, un petit spoil de mon équipe. J'aurais besoin d'une pierre feu, maintenant à vous deviner. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Enfin, en tout cas, je sais qui tu vas avoir comme Pokémon. Non, non, il y a plusieurs Pokémon avec lesquels tu ah peux oui, utiliser. Oui, non, mais de toute façon, enfin, je sais bien, mais il y en a pas énormément dans les trois générations. Donc, voilà. Ouais, surtout, bah, je vous donne un autre indice qui va faire que Bitel l'a trouvé tout de suite. Ce Pokémon sera renommé. Oh putain, non. Si. Non mais non, ah, c'est bon, t'es cramé. Si, si, si. T'es cramé, c'est bon. Bah ouais, non mais laisse-les deviner. Oh mais... Mais Bah ouais, bah évidemment que je vais le renommer. Non. Bien sûr. Ah les amis, vous allez kiffer. Non mais, de toute façon mon équipe, je pense que je vais la renommer de façon générale. Ah, c'est juste que là encore, j'ai pas encore dit en tête, tu vois. Oh énorme. Mais je sais que je vais la renommer. Très bon, très bon, très bon, très bon. Non mais il faut que je trouve des surnoms. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire. Hein. Pour le moment, j'ai pas encore d'idée. J'ai d'idée que pour ce Pokémon-là, et je sais que je vais l'appeler comme ça parce que on est tous obligés de l'appeler comme ça. Oui, oui, oui. Clairement. Comme si j'avais eu un Pikachu, je serais obligé de l'appeler Beetle. Mais j'aurais pas de Pikachu dans mon équipe. De toute façon, ça sert à rien. Donc... Sinon, je l'aurais capturé. Non, mais sinon, j'aurais capturé Frojet. Donc faites-moi des propositions dans les commentaires si vous avez des idées. Alors moi je pensais plutôt à Branlette. Bien sûr, évidemment. Super. Et aussi, alors il faut savoir un truc, car dans Pokémon MMO ils ont fait une partie pour Johto. Sérieux? Ouais. Non. Partie Johto. Si, si, il y a une partie Johto que je pense on fera après. Si la série continue. Et en tout cas pour ma part, j'aurai, si on l'a fait, hein, j'aurai une nouvelle équipe. Aussi. On aurait passé la nouvelle équipe foot de jeu. Je pensais pas qu'on aurait eu Johto, en fait. Si, si, non, non, mais elle y est apparemment. T'as regardé Non, c'est ce que Trou m'a dit. Jeune Crash, salut. Pardon. bon bah de toute façon, on va pouvoir bientôt s'arrêter, mine de rien. Heureux, blabla, crash, bon, tout ça. Non, bah, s'arrêter, bah tu m'attends oui, peut-être non, quand mec, même, mec, tu mec, vois. Mec, de toute façon, je t'attends, on est que tu sors du mont, enfin, t'inquiète pas. Mais ça fait combien de temps d'ailleurs qu'on tourne? Ça fait combien de temps qu'on tourne? Ça fait quasiment 40 minutes. D'accord, bah écoute, non, ouais, non, enfin, moi je vais encore passer un petit moment avant de finir, mais je sais pas, en train de lire en attendant. Avant qu'on fasse notre petite battle. Bon, par contre, c'est chiant là, les sauvages là, putain quoi. J'ai tout ce que j'ai envie, c'est d'un putain de repousse. Bordel. T'as vu comment c'est chiant, sérieux? Ah, mais non, mais je fais trois pattes, hein, putain, nos surales. La stratégie. Oh là là. Et encore, j'ai l'impression qu'ils. Ouais, non, rien, j'ai rien dit. J'avais l'impression qu'ils avaient réduit le quota de sauvages. Non. Mais finalement. Et il va falloir que je retape le montagnard d'ailleurs. Mon fer au singe j'ai quand même niveau 18. Bah, mon fer à la mèche, j'ai mine de rien niveau 20. Enfin.
Ok, je vais... Je sais pas... Dôme ou... Dôme ? Ouais, vas-y, on va prendre Dôme parce que Caputo... Caputops a le swag. Moi, je... Attends, tu prends Caputops ? Bah, je vais prendre ouais, l'autre, comme ça, ça on pourrait échanger. On pourrait échanger. Parce que mine de rien, t'arrives en premier, donc t'as pu choisir. C'est l'objectif principal de Pokémon, de compléter le Pokédex. Donc on va essayer, mine de rien. Oui, surtout, on essaiera après. Bon, on fera peut-être, je sais pas, on fera peut-être ça en live détente ou j'en sais rien. Oui, oui, mais d'ailleurs, et d'ailleurs, je pensais bientôt faire un live dessus, une séance XP avec M5 s'il veut. Hein, Ça va dépendre quand est-ce que tu fais ça. Ça va dépendre si je suis disponible. Ça va dépendre demain. Et sachant que l'épisode, on le sort dimanche. Oui, non mais même. Enfin bon, je pensais le faire jeudi en fait. Jeudi. Ah ben effectivement. Donc en fait, tu vas balancer un, tu vas faire un épisode live alors que tu n'as pas sorti l'épisode précédent. Ouais. 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 D'accord. T'es comme ça. Sachant que demain, de toute façon, je pense pas être dispo. En fait, donc... c'est chiant. Bon bah du coup, on fera ça la prochaine fois. Ouais, voilà, où je vous fais un épisode en live quoi, mais c'est pas encore prévu et voilà. Oui oui non mais oui, je vais pas. Moi je vais juste... alors non, je vais peut-être récupérer l'objet qui est là. Me soigner, du coup. J'ai trouvé une nouvelle pierre. Soigner où ? Je vais me soigner au centre Pokémon d'Azuria. Et on va aller entraîner notre... Est-ce que t'as vu qu'il est ici ? Attends, t'as vu s'il y avait une move tutor ou pas ? Le move tutor, le gars qui t'apprend des capacités. Non, y en a. Oui. Il y a, d'accord. Qui t'apprend Ultima Wash ou Ultima Point, je sais plus quoi, ou alors les deux. Toi, d'accord. Tu as envie d'apprendre Ultima Point. Que tu peux apprendre à ton Pikachu. Ah, j'ai déjà sauté le machin, bon, c'est pas grave. Bah, c'est très pratique sur un Pikachu d'avoir ça. Je crois qu'il y a un objet là-haut. Ouais. De toute façon... Alors. J'ai trouvé un... oh, attends, revive. C'est pas un... Repousse ça. Non, ça rappelle. Revive. Non, c'est repel qui est un repousse. C'est... Il faut pas confondre. Le repel est un repousse. Oui, donc. Et le revive est un rappel. C'est ce que je viens de te dire. Hein. Ouais. Mais c'est juste que le repel, en anglais, repel, ce n'est pas un rappel. Oui, c'est bon, repousse. On a compris. Oh, vas-y. Oh, faut que je tape le gars de la Team Rocket. Oh, le gars juste lourd. Comme ta bite. Oh. Les diamants, les diamants. Bon, bah en attendant, on farm un peu Pikachu. Hein. Ce qu'il faut savoir qu'un jour, Beetle a été en prison et on devait lui mettre un boulet à la cheville et puis on lui dit non, il a une bite, ça lui suffit. Eh. Je suis en train de te faire des compliments. Seriously? Oui, je raconte de la merde. Oh, oui, oui. Comment t'as pu sortir une connerie comme ça? Alors, ça m'est passé par la tête, mais en une demi-seconde, et puis je me suis dit, je le dis ou je le dis pas? Et je me suis dit, je peux pas ne pas le dire. Donc je l'ai dit. Putain, mais t'es sérieux? Bah ouais. Juste immonde. Tellement. Ah non, c'est bon, je suis Channel 3. Tac. J'arrive pas loin du dernier rocket avant l'intello qui te donne le truc. A priori, je devrais pas crash avant d'être à Azuria, donc c'est très bien. Donc je vais soigner les Pokémon. Enfin, ça me ferait chier, vas-y, surtout, attends, voilà. Je vais soigner les Pokémon, ouais. Voilà, mes Pokémon ils me font soigner, ouais. Pikachu il a combien d'XP? Il est à... On voit pas? Non, seriously! Non, on voit pas. Putain. Okay. Donc on va du coup... Speed. Nana! Nana, nana! Les mecs ils pètent des câbles, bizarre. Mais tellement, c'est tout à fait ça, bien sûr, Jean-Louis. Mais évidemment, Jean-Louis, mais oui.
J'ai battu le Rocket, je vais donc aller taper l'Entello. Hey stop! I found those fossils that both mine! Yeah, nigga! Ceci ta gueule! Moi je pense à. C'est GTA! J'ai fait un peu l'accent du gars. Mais de GTA. Ça, hein. L'accent russe! Yeah. Il y a ton fan, là, je sais plus quoi, là, ton fan, ton abonné, oui, qui vient de se découvrir. Ouais, il va pas dire au revoir, c'est un vilain. De toute façon, t'es tous des vilains. De toute façon, tes abonnés, c'est tous des enfoirés. Comment ça? Je préfère les Comment ça sent le seum? Sont gentils, les miens. Comment ça sent le seum? Les miens, ils sont gentils, tu vois. Ils disent pas des trucs méchants. De toute façon, ils disent rien. Non, je déconne. De toute façon, mes abonnés aussi, c'est des enculés, hein. C'est tous des enculés, de toute façon. Il est sérieux. Oh mon dieu. Putain, je vois de ces messages. La team manga recrute. Putain, mais putain, team paye ton nom. Bitch. Ah, petit plantage. Ah non. C'était juste un petit lac du Ok, donc mon fer au singe, j'ai KO. I'm gonna fight you. Et ton recul, il va toujours bien ou? C'est un peu de la merde. Ouais, pour l'instant, si tu veux, là, pour l'instant, j'ai XP. Pikachu. Donc d'ailleurs, c'est quand que tu viens? Ouais, bon, c'est à peu près. Je suis en train de taper l'intello, et je vais choisir mon fossile et puis j'arrive. Je verrai dans la route s'il y a pas de. Je l'appellerai. Il a quoi? Quel enfoiré. C'est pas grave, en attendant, je vais entrer mon recul. Recul, il évolue niveau combien? 16? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je crois. Je pense pas que t'auras fini avant la fin de l'épisode, mon frère. Alors, je prends quel fossile? Ça, c'est. T'as pris lequel, moi, toi? J'ai pris le dôme. Ça, c'est le. Ah, ouais, d'accord. Donc, je vais prendre le fossile Exile, comme il l'appelle. Le Exile. Yes, I want it. Qui est le fossile de Sabonita. Ouais, tout à fait. Ah, il y a un Venom Gel, là. Je savais pas. Et j'ai pas récupéré les petits champis qu'on pouvait obtenir à certains endroits de la grotte. C'est justement les petits champis qui se revendent très mal. Ouais, non, ça fait toujours là. Bon, par contre, là, il me fait chier. Donc je vais le tuer. Et de toute façon, ça me permettra de level up. Je. Ah, possible. Possible, j'ai un pierre. Enfin, de Sky, personnellement. Oh, mais c'est pas grave. Ah oui, parce que comme je suis malade, j'ai en plus la voix cassée. Je peux pas faire les voix aiguës aussi. C'est bien que je peux le faire. T'as pas mon swag, c'est tout. Tu sais pas faire tes voix comme ça. Non, c'est juste. Faire ta gueule, okay. Ouais. Non, par exemple, là, je suis sûr qu'il y a un truc. Non, y'a rien. Ah voilà, j'ai trouvé un petit champ. Bon, bref, on s'en fout. Je suis sorti. Ah, enfin. Par là. Ah oui, là, y'a les move tutors, donc on s'en fout. Y'a un objet là. Je alors le disais un bien. Piaf avec, ça va aller très vite pour lui avec une attaque éclair. J'ai trouvé la CT5 qui contient. Putain, j'ai craqué. Bordel. Je sais plus ce qu'il fait. Je dois refaire tout le chemin, fais chier. Ah, ça me. Non, mais j'ai pas le record là par contre. Exclusivité sur ma chaîne, ma gueule. Moi qui refais le chemin. Enfin, ça dépend, hein. Est-ce qu'il m'a vraiment remis là? Non, c'est bon. Il m'a remis là où j'étais. Mais ok, je reprends, les... je reprends fois le record. Tu sors d'une map où tu rentres. Je pense que c'est. Tu sors ou que tu rentres. Et regardez, j'ai crash et je suis revenu directement ici. Non, le pire, c'est qu'il a. C'est trop bien. Il a pas fait de montage, hein. Tout est sur ma vidéo. Non, c'est faux. Voilà, vous pouvez voir sur la vidéo. Vraiment, non, j'ai vraiment. Alors, par contre, je ne suis. Alors, ouais, non, en plus, je suis bien sur Channel 3. Il est où le Beetle? Oh, y'a Beetle! Bon, je vais aller me soigner, puis on se tape. Ouais, même si bon, sur la gueule, gagner, bitch! Bon, Bah, écoute, mais ça l'a envie. Clairement pas, c'est entraîné, c'est tout. Après, si je les entraîne. Bah, tu as le droit de les entraîner en off. Hein. Je veux un peu la flemme. Moi, je sais pas si je vais le faire, parce que bon, voilà.
Et au pire, c'est quand que tu fermes ta gueule, hein? Je sais pas. Seriously, Je sais pas trop, en fait. Voilà, mais je suis prêt. Voilà. J'ai réussi à battre j'ai un peu soigné mes alors que mon Pikachu, il a que 1 PV, tu vois, hein. Genre le... Moi, je t'attends, gars. Je t'attends pour le combat, tu vois. De toute façon, je vais te mettre à pâter ma gueule, hein. Ok, bon, ramène tes boobs. No. Non mais mec, c'est sérieux, mon Pikachu il a plus qu'un PV, sérieux. Je déconne. Non mais sérieux quoi. Le mec il fait son cap. Mais vas-y putain, là il a qu'un PV mon Pikachu, mais vas-y là je vais te tuer ta mère. C'était une très très bonne un très très bon mimage de ta gueule. Alors, Beetle. Ah d'accord, bon tu l'as fait avant. Mon dieu, Beetle veut. Let's go. Oh mon dieu, Beetle veut. Salut à tous, c'est Beetle veut. C'est Beetle veut. Let's go. Oh putain. Je pensais que t'allais balancer Pikachu en premier. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. T'as cru quoi toi là? Eh il a trop cru lui. T'as trop cru tu pouvais. Bah ouais. Ça a bien t'as vu? Vatergen. Eh Vatergen. Non. Eh il va me niquer mon. Allez. Prends ça dans ta gueule bitch. Vas-y. Eh mais t'es un gros connard en fait. Aucun fair play mais rien du tout. Tiens, sus! One shot le s'il te plaît! J'adore le aucun fair play! Ah, c'était trop bon! Oh là là! Tu fais enculer, gros con! Hein. Je te l'ai baissé de moins 50% ta presse! De toute façon, tes attaques me font rien! Je te mets un coup, t'es mort! Allez, dégage! Tiens! Tiens! Bah écoute, ouais. Sauf que le truc. Tu sais, ce qu'il y a de bien avec ton Pikachu, c'est que. Comment? En fait. Il n'a pas jet de sable. Donc tu vas pas me faire chier en fait. Bon, ouais. C'est moins chiant, franchement, c'est moins chiant. Quel mauvais. Bon, fuck that. Voilà. T'es un petit peu dans la merde. T'es un petit peu dans la merde. Alors. Tu t'augmentes ton attaque, ça l'enfoiré. Oh bitch. 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 Je vais mourir. Oh. Oh vas-y, vas-y. Ouais, mais c'est normal, je suis paralysé aussi. Bon, alors attends. Alors attends. Parce que bon, c'est pas que voilà, mais bon. Je te mets une attaque, t'es fini. T'es fini, mon gars. Oh. Oh. Allez. Ah non mais mec, c'est une attaque assise contre un type haut qui critique. C'est fini, oh là c'est là fini. Là tu es décédé. Bon, la prochaine fois, je sais quoi faire. Hein. Décédé. GG en tout cas. Bon bah allez, merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode numéro 3. En tout cas, merci encore une fois d'avoir suivi. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos ressentis sur cet épisode. Bref, à plus et portez-vous bien. Bye, à la prochaine. Et mangez des kiwis. Ouais, je sais pas, j'ai envie. Allez, salut, bye bye. Ciao. J'ai dit juste.
au revoir, qui me demande au combat. Revoir les gens, voilà, au revoir, blablabla. Merci, ciao.